Coucou, c'est Cindy, contente de vous retrouver avec une nouvelle couleur. Et surtout, ça fait un sacré moment que j'ai pas filmé parce que pour vous, j'ai posté une vidéo il y a 2 semaines. C'est la première fois quand même que je laisse 2 semaines de battement, mais avec la canicule, impossible de me maquiller. Je ne pouvais pas, il faisait trop chaud. J'avais même pas envie d'essayer. Si c'est pour essayer et ne pas avoir envie et se forcer, ça sert à rien. Donc là, je suis super contente de pouvoir enfin vous filmer de nouveau des vidéos. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, Shop Miss A. Alors, qu'est-ce que Shop Miss A? C'est un e-shop américain sur lequel tout est à 1$, donc ce qui veut dire 85 centimes. Donc ouais, c'est vraiment super pas cher. Vous le recevez comme ça, dans un genre de gros sac poubelle. Et moi, j'ai passé une commande, donc c'était il y a un petit moment déjà. Bah, je l'ai laissé pour l'ouvrir avec vous. Donc le temps que je la commande, que je la reçoive et que j'attende pour pouvoir l'ouvrir, je me souviens même plus de tout ce que j'ai commandé. Je m'en souviens du principal, mais pas de tout. Alors, c'est emballé comme ça dans un gros papier bulle. Donc franchement, c'est super résistant. Une fois enlevé le papier bulle, vous avez un papier de soie et encore un genre de polystyrène. Donc au moins, ça fait un peu moins peur pour le voyage depuis les États-Unis. Là, j'ai tout sur les genoux. Je vais vous montrer au fur et à mesure, selon ce que je vois, ce que j'ai commandé. En premier lieu, j'ai commandé ceci. Alors ça, c'est sûr, c'était pas un dollar. C'était 10$ le set de pinceaux, donc ça veut dire qui revient à 1$ le pinceau. Et j'en ai entendu que du bien de ces pinceaux-là. Et ils sont souvent en rupture de stock. Moi, quand j'ai commandé, ils n'y étaient pas. Donc j'en ai entendu que du bien, qu'ils étaient équivalents à des trucs genre Zoeva, Sigma, tout ça. Donc quand j'ai vu qu'ils y étaient, je les ai commandés direct. C'est un set de pinceaux pour les yeux et franchement, il y a tout. Il y a autant. Alors, il y a des pinceaux estompeurs, pinceaux pour les sourcils et l'eyeliner, encore un estompeur, un pinceau stylo, enfin un pinceau, un pencil brush pour le ras de cils. Encore un petit estompeur, un autre estompeur, et moi, les estompeurs, j'en ai jamais assez. Un pinceau plat. Encore deux estompeurs et un pinceau plat biseauté. Donc franchement, c'est le kit parfait. Et pour 10$, 8,50€ pour 10 pinceaux comme ça, roses, avec en plus leur petit pochon si on part en voyage, c'est vraiment super. S'ils sont bien, j'en rachète direct un autre set. Donc voilà les pinceaux. Je vous dirai ce que j'en pense dès que je m'en sers. Ah, j'avais pas vu celui qui fait pour les sourcils. Il a le petit bitonio au bout. Ah oui, il n'y a pas que du maquillage. Il y a aussi d'autres choses, des boucles d'oreilles, tout ça. Et là, je me suis pris un joli petit arc-en-ciel avec des petites breloques là. Je sais plus comment ça se dit, des petites pampilles. Bah, ouais, je me suis pris un petit arc-en-ciel. Je me suis pris d'autres pinceaux encore de la même marque. Quasiment tout ce que j'ai commandé, c'est de la marque AOA Studio. Donc un autre pinceau pencil brush et un autre, pareil, un autre pencil brush, mais en plus petit. Donc pareil, je verrai ce qu'il donne à 1$. Pourquoi s'en méfier? Je me suis également pris un blender. Alors c'est un Wonder Blender de leur marque. Et les 2-3 vidéos que j'ai vues sur ces blenders, ils disaient qu'ils étaient aussi bien que le Beauty Blender. Donc j'ai vu une vidéo de Ayo Coralie et une autre du Monde de Salomé qui disaient qu'ils étaient vraiment super. Donc j'en ai commandé un. S'il est si bien que ça, j'en recommanderai un autre. Mais bon, je crois ces youtubeuses parce que Ayo Coralie, elle a même fait une vidéo exprès pour dire à quel point il était super bien. Je me suis pris une paire de boucles d'oreilles parce que pareil, pourquoi pas? Une paire de boucles d'oreilles à 1$, donc 85 centimes. C'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Elles sont vraiment très jolies, rose et lavande. J'aime vraiment. Et voilà, je me suis dit, on va essayer. Si c'est. Bon, de toute façon, c'est sûrement de la gnognotte. Mais pour le prix, ça durera le temps que ça durera. Ensuite, je me suis pris beaucoup de liner de couleur. Parce que bah, maintenant que je sais faire le eyeliner, j'ai envie d'essayer des couleurs. Donc j'en ai pris vraiment de plein de couleurs différentes. Je vais vous montrer tout de suite. Alors là, c'est un couleur Diamond Liner. Mais bon, c'est la marque, c'est pas la couleur. Je vais faire les swatches et je vous les montre tous en même temps. Hein. C'est tous des liners, voilà, très fins. Après, bon, si la pigmentation n'est pas au rendez-vous, c'est pas bien grave. Il y en a certains que je compte mettre par-dessus le noir pour donner un peu en fait
pour me faire pour faire un effet paillette sur le noir. Donc voilà toutes les couleurs d'eyeliner que j'ai achetées. Alors il y en a des vraiment plus pigmentés que d'autres. Le bleu, le or, le bleu, le violet sont très pigmentés, les autres un peu moins, donc ils serviront plus de top coat que d'eyeliner en eux-mêmes, mais je pense que ça peut être très beau. Et le reste, c'est que des rouges à lèvres. J'ai pas acheté de palette pour les yeux parce que franchement, j'ai vu des revues et c'était pas top top, donc ça me donnait vraiment pas envie. Je me suis pris un crayon pour les lèvres, mais alors là, quand je le vois ressortir, il fait assez foncé. Je vais voir ça. Alors, le crayon pour les lèvres, il donne ça. Ça va. Ça va, mais bon, ça, c'est le truc qu'on commande sur internet. Je le voyais un peu plus nude. Il y a un autre eyeliner que j'ai oublié parce qu'il ressemblait à tout sauf un eyeliner. Là, on. Oh putain. Enfin, il a l'air gros. Bon, pareil, ça va faire des paillettes roses. Donc, voilà, il est là. Vous voyez, ça ressortira plus en top coat. Donc, les rouges à lèvres, j'ai pris des teintes métallisées, nude très peu. Il y a un nude qui est censé aller avec, justement, qui est censé aller avec la base. Mais tout le reste, c'est des teintes qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour montrer le nude qui est censé aller en complément. Il est joli. Hein. Donc voilà. Un joli bois de rose assez foncé. J'aime bien. C'est un mat. Ensuite, pour rester dans les mats, de toute façon, il n'y a que deux mats que j'ai acheté. Un violet assez foncé. Oh, mais il a l'air moins pigmenté. Après, il n'est pas de la marque. Et ouais, celui-là, mais il a l'air moins pigmenté. J'aime bien l'odeur, mais il a l'air super pas du tout pigmenté. On verra. Le violet. La couleur est jolie, mais la pigmentation, pas des masses. Ensuite, il y a trois métals. Celui-ci qui est un peu bordeaux avec des reflets bleus. Très joli. Ensuite un bleu gris. Et le dernier, un rose gold. Ouais, dans les tons un peu rose gold. Et le dernier, qui est très joli également. Et je me suis également acheté un gloss. Alors, à voir ce qu'ils vont rendre les gloss de cette marque. C'est le Diamond Lip Gloss. Il est vraiment. La couleur, elle est trop belle. Je vous fais. Voilà. Ça fait couleur bah, sirène. Après, voilà. Sur la peau, ça rendra moins bien parce que c'est un gloss. Hein, ça fait pour mettre. C'est pas fait pour accrocher. Mais la couleur est vraiment très très jolie. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Il a des reflets super jolis. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a 6 rouges à lèvres, un crayon pour les lèvres, 7 eyeliner, 12 pinceaux, un blender, une paire de boucles d'oreilles et un petit porte-clés. Donc si on calcule tout ça, ça fait 28. Donc voilà, j'en ai eu pour 28$, hein, comme vous pouvez, enfin 29 même avec le crayon à lèvres. Et les frais de port étaient de 8$, donc 6,50€, un truc comme ça. Les frais de port paraissent assez gros, mais comparé au prix des produits, c'est vraiment pas cher. Après, les produits, il y en a à prendre et à laisser. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir lesquels sont bien, lesquels ne le sont pas. Après, selon les revues que j'ai vues, les mattes, à ce qui paraît, sont super bien. En tout cas, de la marque EOE. Moi, j'en ai un qui n'est pas de la marque EOE, le violet, et il paraît vraiment moins bien. Les métals, à ce qui paraît, sont très bien aussi. Dans les eyeliners, il y en a qui ont l'air très pigmentés, d'autres pas des masses. Donc j'essaierai tout et je vous redirai au fur et à mesure. Peut-être même que je vous ferai une vidéo spéciale retour de tous les produits et comme ça je pourrai et comme ça vous pourrez savoir mon avis, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Après, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos des revues sur Shop Missay. Il y en a
Plein, plein, plein. On en entend pas mal parler en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait aussi une commande parce que ça me donnait vraiment envie d'essayer, surtout vu le prix attractif. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que tous les produits sont cruelty-free. Après, vegan, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, cruelty-free de sûr. Donc, ça aussi, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les produits. Je vous répondrai au fur et à mesure si j'en ai essayé 2-3. Je vous dis au revoir et à bientôt.